Placez votre menton ici sur la mentonnière. Quentin est opticien. Comme chaque jour, il procède à des dépistages visuels. Mais aujourd'hui, ces tests sont gratuits. La semaine de la vision, donc c'est une semaine qui permet à toute personne de pouvoir bénéficier d'un dépistage entièrement gratuit. Donc, vous venez en magasin, vous bénéficiez d'un test visuel qui coûte normalement 30 euros. Cette cliente n'était pas au courant, mais c'est pour elle l'occasion de prendre rendez-vous. Je suis passée ici ce matin pour faire une petite retouche et j'ai vu le dépliant sur le comptoir. Et voilà, je me suis dit que c'est l'occasion de refaire un examen. La vue est très importante, donc avec le confinement, peut-être des gens n'ont pas fait suivre cela de près, donc c'est vraiment une bonne initiative. Un suivi après le confinement, c'est en effet nécessaire. Pendant la période de crise, nous avons passé plus de temps à l'intérieur dans nos foyers. L'utilisation des smartphones et tablettes en vision de près n'a pas été sans impact pour nos yeux. La vision, voilà, on remarque une évolution de la myopie avec l'usage des écrans, parce que l'œil humain n'est pas fait pour être tout le temps en vision de près, mais doit faire de la vision de loin et de la vision de près. Voilà, tout simplement. Alors ce que je conseille, c'est toutes les 20 minutes, essayer de faire une pause d'environ 20-30 secondes, avoir une bonne protection et surtout une bonne correction, c'est important. La semaine de la vision commence aujourd'hui, et ce, jusqu'au samedi 16 octobre 2021. Retrouvez les opticiens participants sur www.semainedelavision.be.